Concentrate on the northern cliff tomorrow. The ground there is hard, so be careful when you dig. Yes, sir. Doctor! Dr. Masuda! What is it? Did you find something? Yeah. We followed the corridor from the lakeside. It matches the location described in the research paper. Good. Show us where it is. It's different from the others. I knew it! It's over there.
Commencing startup experiment. Open up an interconnection. Roger. Opening interconnection. Connecting with dummy protocol. A-line protocol zone secured. Opening cage partition. 60 seconds to release. Beginning countdown. 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51. Clear. 3, 2, 1. Partition open. Proceeding with Cosmos body formation. Body formation complete. Commencing Penfield mapping. Proceeding with Encephalon construction. Mapping percentage at 76, 77, 78. Encephalon construction complete. There's noise appearing in the temporal lobe. What's the problem? It's on the left side of the temporal lobe. I'm showing slight stimulation of the synapses in section 818. It's within permissible bounds, though. Do you want to abort? No. Let's keep going. Just stick to the menu. I'll try for a direct approach. Back me up. Roger. Launching Nataraja connection system. Password accepted. Commencing Nataraja boot up sequence. There seems to be a problem with the visual field connection. Ah, I see a small break in the MT field, route K-12. It looks like the bi-directional link in the V-4 field is lagged too. Hold on a minute. I'll fix it now. How's it now, Chief? Okay. Looks good. Let's keep going. Roger. Proceeding with Cosmos host separation. Morning, Cosmos. How do you feel? Good morning, Xian. All systems are normal. Well, how about introducing yourself? I am an Antinosis humanoid fighting system, serial number 00000001. Development name, KPX. Abbreviated name, Cosmos. As I am currently configured for simulated battle, my output is limited to 22% of its normal capacity. My estimated weapons specifications are... All right, that's good enough. Thanks. You are welcome. All I have for you today are the usual startup tests. Sorry to wake you up just for that. You'll have to go back to sleep once everything's checked out. I see.
Do you feel sad or anything? A predetermined set of emotions has been hard-coded into my emotion module to better facilitate interactions with humans. In order to better facilitate a relationship with you, Chief Engineer Shion Uzuki of the Cosmos Project, Vector Industries' 1st R&D Division, I will emit an expression such as sadness only when that response is deemed necessary. However, the emotion module of my program has determined that this is not necessary at this time. I guess you're right. I, of all people, should know that. Your understanding is appreciated. But you know, Cosmos, I've got mixed feelings about all this. Of course, I'm happy that you're awake, but the fact that you'll go back to sleep makes me a bit sad. On the other hand, the next time you wake up, it may be a time of much bloodshed. So deep down inside, I hope that day never comes. Understand? The algorithms I have been programmed with do not support the comprehension of illogical human thought. Well, I hope you'll be able to understand someday. I will do my best. All right, Cosmos, shall we get started? Alan, let's pick up from process 277 where we last left off. Roger. Placing target drones in the Encephalon. The drones are set to random movement and enemy ambush. How about a test run before the mission, Chief? Sure, let's do that. Did you get that, Cosmos? Affirmative. Et salut à tous, après 13 minutes d'introduction, vous deviez vous demander si c'était une vidéo sans voix derrière. Non, ce n'en est pas une, mais il va falloir vous habituer puisque nous sommes dans Xenosaga épisode 1, donc. Et c'est un jeu avec énormément de longues cutscenes. Celle que vous venez de voir est loin d'être la plus longue. Vous verrez que c'est un jeu avec une histoire extrêmement développée, un univers très profond et riche, des personnages qui le sont tout autant. C'est une très grosse saga qui est en 3 épisodes donc, les deux premiers se suivant directement et le troisième se passant un an après le 2. Mais j'aurai le temps de vous parler de tout ça parce que vous verrez qu'il y aura des moments assez creux dans le jeu. En fait, le rythme du jeu est très spécial, on va dire. Il y a des très longues scènes. Et en même temps, des fois, il y a des très longs moments sans scène. Et vous verrez que le jeu peut être critiqué pour ça, mais c'est... S'il y a une chose qu'on peut pas critiquer dans ce jeu et dans cette saga en général, c'est l'histoire et le développement de l'univers qui est vraiment, on peut dire, exceptionnel, quoi. C'est très rare d'avoir des jeux aussi complexes et fournis à ce niveau-là. Ce que vous voyez en ce moment, ce que vous avez vu de l'histoire, c'est vraiment un millième de ce que l'univers du jeu a à nous offrir. Vous verrez que je vous expliquerai tout ça en temps voulu. En tout cas, on va commencer par les bases. Donc on contrôle Shion, je vais dire la française, Shion Uzuki. Donc, qui est une scientifique de Vector Industries. Qu'est-ce que c'est? Mais on verra plus tard. Je vais pas tout expliquer à chaque fois que je dis une phrase, parce que sinon on joue jamais. Mais voilà, donc, et qui est accompagné de Cosmos, qui est un androïde, donc un androïde, c'est-à-dire un humanoïde purement artificiel, hein, qui n'est pas du tout humain au final, de combat anti-Gnosis. Donc les Gnosis, qu'est-ce que c'est? On le verra plus tard, mais en gros ce sont des plus ou moins des aliens, on va dire. Voilà, donc, et là nous sommes dans l'Encéphalon. L'Encéphalon, c'est une simulation. Nous nous sommes connectés, hein, vous voyez dans l'introduction, nous sommes connectés à Shion et à Cosmos. En fait, on est dans une simulation donc informatique, hein, qui nous permet de faire ces choses-là. Alors, on dirait du Farabias qu'ils disent dans l'introduction, mais
Ça peut paraître incroyable, mais les trois quarts des termes qu'on va voir qu'on comprend rien sont vraiment expliqués dans les databases du jeu. J'essaierai de vous expliquer un max de choses, et c'est pour ça que je voulais faire ce jeu, parce que c'est à la fois un jeu... on peut le faire, comprendre l'histoire et le faire en ligne droite, mais quand on cherche derrière toutes les choses qui sont pas expliquées, c'est incroyable le nombre de choses qu'on découvre, quoi. Donc je voulais justement rendre honneur à ce jeu en expliquant un max de choses avec mes connaissances que j'ai beaucoup fouillé sur internet. Et aussi parce que le jeu a été traduit récemment, donc en 2020 je crois. Et si je me trompe pas, la traduction a commencé en 2008. Je dis peut-être des conneries, mais je crois que c'est à peu près ça. Et la traduction de l'épisode 3 est en cours là. Donc ça a été traduit par Noog et hacké par... parce que bien sûr faut rentrer dans les fichiers du jeu pour pouvoir le modifier. Par Rail Fury et Babul, donc vous avez pu le voir dans l'intro, c'était marqué en bas à gauche dans l'introduction. Donc on va jouer un peu quand même, et puis je parlerai de ça plus tard, parce que il va falloir que j'explique le jeu, enfin les mécaniques du jeu, le gameplay, et en même temps l'histoire et aussi tout ce qui est autour du jeu, donc on va voir ça voilà, étape par étape, je vais essayer de pas me disperser trop. Donc là on est dans le tuto, hein, on va nous expliquer les combats, mais ce que je vais faire, et ben je vais le passer et je vous expliquer moi-même, ça sera beaucoup plus rapide. Parce que sinon en fait ce qui va se passer si on le fait comme le jeu le veut, c'est qu'à chaque fois on va sélectionner une action, parler au mec derrière là et faire un combat qui nous explique les trucs. C'est trop long, on va faire combat réel directement. On va dire oui, donc voilà. Là on est dans la simulation et en dehors il y a Allen, donc Allen qui est le collègue. Enfin le sous-fifre de Chion, parce que c'est en fait la chef du département. Voilà. Donc qui communique avec nous depuis la réalité. Donc voilà, on va avoir un combat. Normalement on a trois autres combats avant qui nous expliquent, mais là je vais vous l'expliquer pendant le combat tout d'un coup, ce sera plus rapide. Je vais pas tout expliquer d'un coup parce que... Enfin j'ai dit le contraire à deux secondes, mais... J'expliquais les bases, parce qu'après il y a beaucoup de choses. Voilà, donc dans les tutos précédents, si on les avait fait, on pouvait tout tester sans qu'on nous attaque. Voilà, donc il y aura trois types d'ennemis, les ennemis de type biologique, il y aura un B dessus, mécanique un M et Gnosis un G, donc Gnosis je vous ai dit c'est une autre forme de vie qu'on verra plus tard dans le jeu. Alors comment on voit, bah en fait c'est, vous voyez quand on les sélectionne là, donc avec gauche ou droite, vous voyez tout en haut, tout en bas à droite, il y a un écran avec l'ordre des tours. Et quand je bouge, on voit la vie au-dessus, on voit la vie de l'ennemi ainsi que son type. Donc là par exemple il a 80 PV type mécanique. Voilà. Et après on va parler vite fait des menus. Donc tout en haut vous avez le menu de... Le menu... Bah attendez, je vais vous montrer avec ma souris. Voilà. Là vous voyez ma souris normalement. Donc là vous avez bon, les points de vie, vous connaissez. Ça c'est les points d'éther, donc c'est des points de magie en gros. Les AP ce sont... Les points d'action, donc action point, je crois que ça veut dire ça, mais bref, c'est pas important. Et en fait, à chaque fois qu'on attaque, les attaques ça se fait avec plusieurs mouvements. À chaque fois qu'on attaque, on va en dépenser deux. Exemple, donc on peut attaquer avec carré ou triangle, vous verrez qu'il y a des combos. Donc ça, au début ça a l'air hyper compliqué, mais vous en faites pas, on va vite comprendre. Donc vous voyez, vous avez carré et triangle. Donc le jeu est traduit. Au niveau des dialogues mais pas au niveau des menus, donc c'est pas grave. Donc Knuckle, donc c'est en gros c'est un coup de poing, je vais faire par exemple carré, voilà, là elle va faire son coup et après je peux, vous voyez mes AP là ils ont baissé de 2 et si j'en refais un, bah donc je peux faire 2 attaques parce que j'ai 4 AP par tour et ça coûte 2 AP de faire une attaque. Donc là je peux soit refaire carré pour faire un coup de pied, soit triangle pour faire une attaque comme ça de tour. Voilà, il a plus que 10 PV. Et chaque personnage a des attaques différentes. Donc ça, c'est les attaques de base.
avec croix, triangle et carré. Nous avons ensuite des attaques avec rond, là que je peux pas utiliser parce que vous voyez ça me coûte 6 AP et j'en ai que 4. Comment on fait pour avoir plus d'AP ? Eh ben on les dépense pas tous. Donc par exemple si là j'en dépense 2 et qu'après j'annule avec croix, ces deux là je les garde pour plus tard. Et j'ai bien fait de le faire parce que là je tapais dans le vent, il avait que 10 PV restant. Donc ça c'est les AP. Donc vous voyez, elle en a 4 hein, puisque... Donc je vais faire deux fois carré. Voilà. Et vous voyez là par exemple, elle en a 6. Parce que j'en avais gardé 2 du tour précédent. Donc je peux faire son attaque avec Ron, le FG shot. Qui me coûte 6 AP. Voilà, donc ça, je vous ai pas expliqué tout le combat parce que bah il y avait pas assez d'ennemis pour tout expliquer et tout montrer. Mais on va voir petit à petit. Et voir que c'est un jeu très compliqué, mais enfin complexe, on va dire, pas vraiment compliqué. Et l'histoire avance souvent, je parlerai pas pendant les scènes. Chief, the data transfer is going smoothly. The A-line protocol is looking good. It sure is. The response levels are really good. If we can maintain these levels, we'll have some great results soon. Yeah. Chief? Hey, Alan. Let's skip all 300 level processes and start from 400. Huh? 400? Chief, but that's... I feel pretty confident this time. But, Chief... Remember what happened last time? Had we waited 10 more seconds to intervene, we wouldn't have been able to get you back at all. Can't we at least test it out in objective mode? You know we can't get precise data that way. I'll be fine. If something happens, I'll get myself out. Besides, you want to test it out as well, don't you? We spent all night building the native A-line protocol. Well, yeah, but... That settles it. Let's get started. All right then. But if anything happens, I'm gonna shut it down from here. So don't press your luck. All right, all right. And don't deviate from the program. Okay, Mom. Jeez, this is so typical of her. Will she ever stop to think about the hell I go through for her? You know, sir, the way you worry about Chief Uzuki all the time. I'm surprised you haven't keeled over already. Hey, that's enough. Is the 400 level program ready to go? We're ready to go anytime. Then start up the program. I want detailed reports from every monitoring station. Any abnormalities, and I'm shutting down immediately. Voilà. Alors, on va reprendre... Oui, comme je l'ai dit, je parlerai pas pendant les scènes, et si vous vous posez la question pourquoi j'ai pris avec les la version avec les voix américaines, c'est parce qu'en fait, le 2 a été traduit en français, et a les voix américaines, donc si je passe d'un jeu à l'autre, avec des voix différentes, ça va faire bizarre. Voilà, donc AD, si vous vous demandez, c'est nos années à nous, comme on connaît dans la vie réelle. Ça veut dire, je sais plus ce que ça veut dire, mais 2000 AD en gros, c'est 2000 après Jésus-Christ. Quoi. C'est en latin. Anno Domini, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Je vous explique tout, je vais passer les tutos, sinon c'est trop chiant. Donc oui, nous sommes, vous voyez, je pourrais vous parler en dehors des scènes comme ça. Donc on se déplace avec Fion, et avec Carré on peut exploser des... En fait elle a une espèce d'arme qui a été créée par sa collègue là, qu'on verra plus tard, qui lui permet d'exploser des objets en appuyant sur Carré, et faire L1, R1 pour changer de cible. Enfin,
Ouais, comme ça, oui. Là, je fais ça. Enflammer. Et hop. Alors, si on enflamme, si on explose des barils ou des choses comme ça, en fait, ça nous donne un bonus. Vous voyez, c'était marqué. J'ai plus un de boost. Et ben ça tombe bien parce que le boost, j'avais pas expliqué ce que c'était. Donc, hop, je vais reprendre ma souris. Donc, on avait vu les HP, les points d'éther, je l'ai dit, c'est les points de magie. Les points d'action, donc pour faire les attaques normales. Et ensuite, nous avons le BG. Alors, BG, c'est pas moi. Hein. C'est c'est la boost jauge. Donc, la jauge de boost. Le boost, ça permet de l'utiliser pour que ce soit votre tour. Vous voyez, si j'appuie sur R1 ou R2, donc ça fait la même chose. Là, on peut pas boost parce que nos deux personnages sont déjà sur l'écran en bas à droite, là, le GTW, ça s'appelle. Et dessus, vous avez donc des triangles verts qui représentent la position des personnages et combien il y en a. Donc en haut, les ennemis, en bas, les alliés. Ça n'a rien à voir avec l'ordre des tours. Hein. Et l'ordre des tours, c'est par contre les portraits qui sont au milieu, donc d'abord Chion, puis Cosmos, puis un ennemi qui vont jouer dans cet ordre-là. Donc là, je vais attaquer par exemple avec Chion. Donc je vais dire Chion, pas Cheyenne, hein, parce que c'est... Voilà. Et vous voyez, cette icône-là, je vous l'expliquerai après aussi. Donc, là, on a... Comment elle s'appelle? Cosmos. Désolé, je pense à trop de trucs en même temps. Donc qui est la seule là, vous voyez, Chion elle est plus là. Mais si je fais R1 ou R2, voilà, je peux faire boost sur Chion. Ce qui fait que ce sera pas l'ennemi là qui va attaquer après Cosmos, mais Chion. En gros, boost ça permet de que ce soit votre tour de jouer. Le prochain tour, si vous faites boost, le prochain tour sera au personnage que vous avez boosté. Voilà. Donc là, on va faire les attaques pour le démonte. Voilà. Et vous voyez, maintenant, ça a changé de jouer. Donc, le boost est individuel par personnage et il se remplit quand on tape les ennemis, tout simplement. Donc, en gros, c'est une jauge pour avoir des actions en plus. Et si un des personnages est déjà sur l'écran, là, en bas à droite, on ne peut pas l'utiliser dans la boost jauge puisqu'il est déjà dessus en fait. Il est déjà sur le GTW, ça s'appelle ce truc, ça veut dire group turn window. Donc voilà, ok, c'est parti. Donc je vais attaquer. Tout ce qui compte, hein, c'est de savoir que avec boost vous pouvez attaquer avec votre prochain tour, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et ensuite, on a cet écran-là, le carré, là, vous voyez, qui change à chaque fois. En fait, selon l'icône, eh ben, ça fait un effet pendant le tour. Là, il n'y a pas d'icône, donc ça va rien faire. Voilà. Et oui, on gagne des points à la fin du combat, donc... Vous voyez là, donc notre niveau, nos points de vie, nos points d'éther. Notre niveau suivant, bon ça c'est combien d'XP pour qu'on doit avoir pour être au niveau suivant. Et notre expérience, donc là, bien sûr, bah, vu qu'on a gagné 11 points d'XP, on a besoin de 11, donc moins 11 parce qu'on a besoin de 11 XP de moins pour le niveau suivant. Et plus 11 parce qu'on en gagne plus 11. Voilà. Et après les points, alors ça c'est les points de technique, points d'éther et points de skill. Que je vais vous expliquer après. Et on voit aussi le temps et l'argent qu'on gagne. Alors le temps on s'en fout totalement, ça change, ça fait rien du tout, ça c'est pas utilisé dans le jeu, c'est juste une info. Et l'argent bah, ce sera pour acheter des équipements plus tard. Et on gagne un medkit donc qui nous permet de nous soigner. Voilà, on aura des coffres dans le jeu comme ça. Vous allez voir au début je vais beaucoup expliquer de trucs mais je suis obligé. Voilà. Et donc les éthers c'est juste tout simplement les magies. Voilà. Pour l'instant, on a une magie de soin avec Chion et et pas de magie. Ah si, une magie qui permet d'augmenter l'attaque physique pendant un certain temps sur Cosmos. Elle peut le faire que sur elle-même. Voilà. Je vous expliquerai en détail comment ça marche parce que vous allez voir, il y a beaucoup de menus. Mais bon, les points d'éther c'est pour apprendre des nouveaux éthers. Les points de technique c'est pour apprendre des nouvelles techniques. Voilà.
Donc, enfin, pas apprendre, mais les améliorer plutôt, pardon. Les nouvelles techniques, on les acquiert en montant de niveau et on peut les améliorer avec les points de technique. Vous voyez, là j'en ai que 5. Mais je peux rien faire avec parce que bah, les points, c'est ça. Par exemple, mon Lightning Blast. Pour augmenter sa vitesse, ça me coûte 150. Wait. Alors, ça, c'est le temps entre deux techniques. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Ça me coûte 10 et tech c'est en gros c'est le niveau de la technique, donc elle fait plus mal quand elle est plus au niveau. Il me faut 90 points, donc là il me faudra au moins 10 points pour améliorer ça là, l'attente. Donc pour l'instant je peux pas l'utiliser. Et je vous expliquerai tout ça en détail aussi, sinon ça va prendre toute la vidéo. Et les skills, ce sont en fait, on aura des accessoires plus tard dans le jeu qu'on pourra équiper. Et on pourra extraire les compétences, enfin les passifs des accessoires, qu'on a, on en a pas encore, pour les équiper. Voilà, donc tous les accessoires du jeu, vous pouvez extraire leurs stats en gros, et en mettre jusqu'à 3 sur le personnage. Donc voilà à quoi servent les points de skill. Et également, les points de technique qu'on peut aussi utiliser pour augmenter les stats des personnages. Donc ça, c'est pas très très utilisé, mais voilà. Et les personnages peuvent équiper donc une arme, une armure et deux accessoires. Même, attends, c'est même plus compliqué que ça puisque je crois que... Ouais, si, si, c'est ça. Une arme, une armure et deux accessoires. Donc les menus sont un peu alambiqués, hein, c'est un peu compliqué. AGWS, on verra plus tard, voilà. Et la formation, c'est simplement pour retirer ou mettre des personnages dans le combat, on peut en avoir jusqu'à 3. Et on peut aussi les bouger d'avant en arrière. Donc, quand ils sont en arrière, ils pourront utiliser que des techniques à distance. Voilà. UMN, ça ce sera donc Lunus Mundus Network, qui est en gros la base de données du jeu, qui nous permettra de lire nos mails bon, ça, et avoir plein d'infos comme la database dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Et dans les options du jeu, on peut choisir bon, le type de son, de sortie audio, est-ce que ça garde en mémoire la vibration, enfin le radar, donc ça c'est quand on est hors combat, et réglage d'écran, bref, les options, il n'y a rien de très important pour vous. Voilà. Donc là on a récupéré un objet, donc vous allez voir c'est assez simple, hein. Les objets sont en catégorie, voilà. Donc on a les armes, les accessoires, les munitions, ça ce sera pour les AGWS qui sont des mechas en gros. Ça c'est pareil et ça c'est pareil. Tout ce qui est en vert, ouais. Et en gros, tous les items qu'on peut utiliser, oh, ils sont dans cette catégorie là. Donc on aura le medkit pour se soigner et le medkit S pour se soigner un peu plus, quoi. Donc, en gros, c'est potion plus, quoi. Voilà, voilà. On va avancer. Je suis désolé, hein, au début le rythme va être très lent parce que j'ai beaucoup de choses à expliquer. Et alors si vous comprenez pas trop les attaques là, que je fais, en fait il n'y a pas d'attaque normale hein, dans ce jeu, il n'y a que des attaques comme ça. Voilà. Donc avec carré on peut détruire l'environnement, certains objets. Et on va aller détruire cette porte pour récupérer le medikit. Vous allez voir que chaque jeu, hein, chacun des trois épisodes est un peu différent. Alors, je vais essayer de le choper. Alors ça marche pas. Pas grave, on va le combattre directement. Alors chaque attaque qu'on fait, elle a des attributs. Si j'utilise, vous voyez, tout en bas à gauche, on voit L1 change, R1 boost. Donc R1, ça je vais l'expliquer, hein, c'est pour activer le boost. Et L1 en fait c'est pour changer ce qu'il y a écrit ici, pour avoir plus d'infos. Voilà. Donc on aura plusieurs types d'attaques. Donc la portée en gros c'est le si l'ennemi est loin ou proche. Donc par exemple les attaques de type near, ce sera que les ennemis proches, c'est à dire que c'est un ennemi par exemple si j'avais mon personnage en arrière je pourrais pas la faire, quoi. Ou si l'ennemi est en arrière je peux pas le viser avec. Line, c'est à distance mais sur la première ligne. Et après il y aura des types R qui toucheront les ennemis partout.
Ensuite, en deuxième, après le slash, là, vous avez le type de dégâts. Alors, il y en a trois. C'est en go hit, donc on va dire contondant, pierce, perçant, et slash, tranchant. Voilà. Donc, c'est le type de dégâts. Ça fonctionne un peu comme les éléments dans d'autres jeux. Il y a des ennemis plus ou moins sensibles à ces trois types. Et ensuite, il y a l'élément. Donc l'élément, c'est y aura feu, glace, foudre, rayon et aura, je crois. Voilà, et c'est pareil, c'est, les ennemis sont plus ou moins sensibles. En fait, c'est pareil, hein, c'est les deux dernières catégories, là, c'est pareil, sauf qu'il y en a, c'est des trucs élémentaux, et d'autres, c'est des trucs un peu physiques, on va dire. Voilà. Donc on peut, si vous en foutez des noms des attaques, vous pouvez faire L1 pour à la place voir quel type ça fait. Et après, bon, bah, comment on sait que si tel ennemi est censé battre ou telle attaque, faut l'analyser, mais on n'a pas encore l'éther pour ça. Voilà. Donc j'ai appuyé sur X, et sur X on a un menu donc avec les éthers, qui sont les magies, les items pour utiliser les objets. Hein. Move, alors bah, c'est pour aller en avant ou en arrière, là, comme je vous l'avais expliqué. AGWS, c'est des espèces de méca qu'on pourra se mettre plus tard. Et Guard, bah, c'est pour se défendre. Donc ça, c'est pas très compliqué, vous avez tout compris, je pense. Voilà. Donc là, comme je vous l'avais expliqué, bon, je vous ai expliqué à peu près tout le gameplay de combat. Enfin, presque. Parce qu'il y aura d'autres choses après, mais... voilà. Il faut se concentrer, en fait, au début, sur ce carré-là. Vous voyez, là, il y a un anneau. Comme je l'ai dit, ça veut dire que si je fais... je tape un ennemi à ce niveau-là, au moment où il y a l'anneau, j'aurai ma jauge boost qui montera plus vite. Donc c'est ce qu'on va faire. Vous voyez, elle monte assez vite. Si j'ai la pièce et que je tue un ennemi à ce moment-là, j'aurai plus de points. Donc points d'XP, de points de tout. Hein. Et donc faut essayer de tuer tous les ennemis sur la pièce. Et ça augmente les chances de critique, l'espèce de feu. Alors faut savoir que c'est partagé entre tout le monde, hein, ennemis et alliés, hein, ce carré là, je sais pas comment on appelle ça. Cette roulette. Donc du coup, là on va... Vous voyez je vais vous montrer les types des attaques de Chion. Alors il faut savoir que ces attaques là c'est les mêmes pendant tout le jeu. Donc ça peut paraître compliqué, mais elles changeront pas. Il y aura des Death Blow, donc ce sera des attaques spéciales qui elles on peut apprendre, changer, etc. Mais les attaques qu'il y a ici, là, Knuckle, Firecracker, enfin celles qu'on fait avec les combos de triangle et de carré, elles seront spécifiques à chaque perso, mais ne changeront pas au cours du jeu. Donc Chion aura toujours Knuckle en première attaque avec carré et Firecracker en première attaque avec triangle. Et après, il se passe des choses. C'est-à-dire que quand je fais carré, carré-carré ça fait power kick, et carré-triangle ça fait stun shock. Donc stun shock qui est de type foudre, hein, vous voyez, lightning, et de type hit pour carré, donc contondant. Là par exemple, je vais faire ça. Ça lui fait très mal parce que bah, type foot sans un robot, ça le défonce. Et ensuite je vais tuer ce dernier ennemi sur la pièce pour avoir plus de points. Dans l'idéal, faut tuer tous les ennemis sur la pièce, mais bon du coup, forcément les combats durent 10 ans si vous faites ça. Et oui, on est obligé de faire une deuxième attaque ou de faire... Rank Blaster, c'est de type rayon, hein, vous voyez, bim. Ouais, et vous voyez, point x 4. Alors ça c'est random parce que ça peut être point x 2, point x 4 ou point x 10. C'est la pièce là quand tu des ennemis pendant que la roulette est sur pièce. Donc c'est complètement aléatoire. Si vous avez de la chance ça tombe sur x 10, bah tant mieux pour vous. Donc si vous tuez un boss sur point x 10, forcément c'est mieux. Au début on va beaucoup utiliser Chion pour se soigner, c'est un peu le perso qui est dédié à ça. Voilà. Et donc je vais essayer d'abréger un peu, parce qu'on parle beaucoup des combats.
mais on joue pas assez. J'ai le soleil sur mon écran, c'est très chiant. Et vous allez voir, hein, le jeu petit à petit, on comprend tout. Donc vous avez vu, par exemple, lui craint beaucoup la foudre, donc le combo qui était super bien contre lui, c'était carré triangle pour faire stun shock. Et on va le one shot à chaque fois avec ça. Ça c'est un ennemi de type B, donc biologique. Donc il craint pas, il craint plus, je dirais. Ouais, on va faire pierce. Ça faut le savoir ou analyser les ennemis. Hein. On peut pas le savoir sinon. Et elle, vous voyez ça. La première est de type sans type. Et la deuxième est de type feu. Donc Cherry Bomb, c'est de type feu. Voilà. Et il y a une dernière chose que je vous ai pas montré, c'est les Death Blow. Donc vous avez compris, hein, les attaques normales, là, il y en a par perso, donc attendez, je compte un, deux... Bah il y a carré carré, carré triangle, triangle carré et triangle triangle, donc il y en a 4. Il y a 4 attaques, plus les deux attaques de base, le carré tout court et le triangle tout court. Donc il y a 6 attaques différentes par perso, voilà. Et il y aura donc les Death Blow que je vous montre. Et c'est là que ça se complique un peu. Donc les Death Blow, ce seront quand vous avez 6 AP, pas 4 mais 6. Parce que vous avez vu, avec ça coûte 2 AP de faire une attaque. Donc quand on fait carré carré, on utilise 4 AP. Mais si on économise 2 AP pour le tour d'après, du coup on peut faire par exemple carré carré, et là il nous reste 2 AP, on peut faire une troisième attaque. Et c'est ça, ce sont les Death Blow. Bon, ça s'appelle dans la traduction, ils ont appelé ça technique. Bon, c'est des Death Blow, vous pourrez peut-être reconnaître comme dans Xenogears si vous y avez joué. Donc voilà. Donc, ces Death Blow, on peut les apprendre, les changer, les améliorer. Contrairement aux attaques normales. Donc, on a Lightning Blast par exemple et Spell Ray. Ça, ce sont les deux Death Blow que j'ai pour l'instant avec Sion. On en acquiert d'autres en montant de niveau. Donc elle en a un, voilà, sur un ennemi, vous voyez c'est marqué en bas, un ennemi à courte portée de type foudre et contondant. Et un sur un ennemi également de type à distance et en élément rayon. Donc ça c'est les deux Death Blow des deux techniques, si vous préférez, de Sion pour l'instant. Et pour Cosmos, on a Airblade qui est de type slash à courte distance et Arcanon qui est de type beam à longue distance. Voilà. Et ensuite, vous allez voir, là on peut les changer. Bon, pour l'instant non parce qu'on en a que deux, mais plus tard on pourra. Donc vous voyez là, donc on a carré carré, puis un Death Blow. Et on doit le choisir. Puis carré triangle, pareil. Et donc, alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y en a à courte ou longue portée, comme vous avez vu. Sauf que, comme vous avez vu, bah, là pour Arblade et Arcanon, Arcanon c'est à longue distance, type line, hein, et Arblade c'est à courte distance. Donc, je peux mettre uniquement Arblade sur les Death Blow de courte distance et Arcanon sur les types sur les trucs de longue distance, donc Nier et Far, hein, c'est près et loin en gros. Pour si vous avez vous parlez pas du tout anglais. Donc voilà, je pourrais donc pour l'instant je peux pas les changer puisque bah, j'en ai un à courte distance et un à longue distance et les combos là vous voyez c'est il y en a 3 à courte et donc ça sera Arblade et 3 à longue donc sera Arcanon et pareil pour Sion. Ce sera donc Lightning Blast à courte distance et Spell Ray à longue distance pour l'instant. Comment on l'utilise ? Bah, je vais vous le montrer juste après là au prochain combat.
On va pas oublier de se soigner parce que sinon on va se faire défoncer. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un jeu où il y a beaucoup de choses à expliquer, donc au début je vous ai beaucoup expliqué le gameplay. Après il est pas si compliqué que ça au final, même si j'ai mis 20 ans à le comprendre. j'ai fait la moitié du jeu avant de tout comprendre les subtilités du gameplay, mais vous verrez que c'est pas... Une fois qu'on sait tout, il n'y a plus besoin d'expliquer quoi. En fait faut juste voir simplement quelle attaque fonctionne sur quel ennemi quoi. Par exemple lui on a vu que si on faisait Knuckle, je dirais Power Kick, voilà. Si on fait carré carré on le défonce quoi. Et lui pareil je pense carré carré triangle avec elle. Ouais c'est pas si compliqué que ça hein. On fait toujours la même attaque sur le même type d'ennemi et puis Et je voulais vous montrer, j'ai oublié de vous montrer le les Death Blow. C'est pas grave. Je vous montre après. Alors. Donc là on est là, hein, si vous avez compris au niveau de l'histoire. Pour tester Cosmos hein, parce qu'elle n'est pas encore en service. C'est un android en test hein. Et du coup il y a tout un protocole pour la tester. C'est ce qu'ils expliquaient là quand ils disaient en phase 300, phase 400 machin. Parce qu'en gros pour l'instant bah, ils ont toute une liste de protocoles hein, qui commence par 300, 400 machin. Et là, bah, on va la tester un peu plus, on va dire, loin que c'était prévu à la base. Donc Alan n'est pas trop content. Vous avez vu ces pièges là, hein, ça c'est des pièges en fait. Là ça fait du feu, tout à l'heure ça faisait de la foudre. Bah, selon si ça fait du feu, de la foudre machin, ça fait pas le même effet dans le combat quand l'ennemi se le prend. Il y en a qui augmentent votre jauge de boost, d'autres qui vous font commencer en premier, ou qui mettent des malus ou des bonus au personnage. Voilà, donc là on va arriver à un point de sauvegarde et on va avoir une petite scène. Il y aura beaucoup de scènes dans le jeu. Alors ça c'est très particulier puisque on a le point de sauvegarde après le boss et pas avant. Alors du coup je vais pouvoir vous montrer un Death Blow. Pour un Death Blow faut garder d'abord 2 AP pour en avoir 6 au prochain tour hein, pour faire un... Ça c'est la troisième attaque qui fait le Death Blow. On pourra changer ça plus tard mais vous verrez. Et là ils vont nous expliquer les AGWS. Donc AGWS ça veut dire Antignosis Weapon System, donc système d'armement Antignosis. Ce sont des mechas hein, simplement. Voilà. Donc là ils nous expliquent comment on fait. Il n'y a pas tout le monde qui les a au début. Voilà, vous voyez, elle est en mecha maintenant. Les AGWS qui sont normalement super puissants hein, puisque c'est des mechas par rapport à des humains, mais qui sont un peu nuls en fait dans ce jeu. Donc, mais bon, vous verrez plus tard. Donc voilà, là je peux faire rond. Donc, rond, c'est pas un Death Blow rond. Hein. La FG Shot, c'est pas un Death Blow, c'est une attaque spéciale. Donc qui est propre à Cosmos, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, qui coûte 6, qui coûte également 6 AP. Mais là je vous montre un Death Blow. Donc pour un Death Blow vous faites d'abord une double attaque, hein, donc avec une combinaison de carré et de triangle. Et ensuite, vous aurez une troisième attaque de disponible, parce qu'on a 6 AP et que ça coûte 2 par attaque. Donc là je vais faire celle avec double triangle, donc celle à longue portée. On va faire donc triangle, triangle. Hein. Et ensuite Air Cannon. Voilà, et là le faire son Death Blow.
Alors, vous allez voir que ils sont assez différents les HWS. Donc vous allez vous dire, ah non, c'est encore plus compliqué. Vous en faites pas, c'est plus, beaucoup plus simple les combats avec les HWS qu'on n'utilisera quasiment jamais de toute façon. Voilà. Donc dans le menu, il y a WACT qui permet... Alors oui, il y aura des équipements différents sur les AGWS. Ce ne sera pas les mêmes équipements que les personnages, hein, puisque c'est des mechas. Et on peut mettre deux armes en même temps sur un AGWS. Et du coup, ça permet de faire WACT. Qui permet d'attaquer deux fois, en gros. Voilà, quand on a des AGWS, on peut pas utiliser d'items. On peut bouger, bon... ça c'est pareil, et on peut sortir de la GWS. Oui, alors il y a ça aussi, si votre AGWS meurt, votre perso meurt en fait. Et on peut pas le soigner parce que bah, la magie ça marche pas sur un robot. C'est un mecha, on peut pas le soigner. Vous allez voir, les AGWS sont nuls hein, dans le jeu, je vais pas vous mentir. Hein. Alors au début c'est super fort, vous dites oh là là les dégâts de malade qu'on fait. Oui mais ils ont trop de faiblesses parce qu'on peut pas utiliser d'objets, on peut pas utiliser nos éthers, donc on peut pas résister ou se soigner avec. Et en plus ça coûte cher en équipement. Donc au final c'est les LGWS, c'est pas forcément la bonne solution. C'est un des défauts du jeu, c'est que ils nous mettent ça en place mais on peut pas les utiliser. Status check. I don't see anything unusual. All systems are stable. It's looking good. This ought to make up for last month. I sure hope so. Cosmos has reached the checkpoint. Entering process 431. Replacing targets with Type G drones. Commencing display. Voilà, donc là, ils augmentent la difficulté de la simulation, hein, simplement. Voilà, et là on nous dit qu'avec R2, oui, alors ce qui est marqué entre parenthèses, hein, c'est un ajout du mec qui a fait la traduction du jeu de Noog, mais il n'y a plus de bug là depuis, hein. C'est sur une ancienne version du patch en fait, parce que oui, là j'utilise la version 1.20 du patch de traduction française, sur d'anciennes traductions les points de sauvegarde déconnaient. Mais c'est plus le cas. Voilà, donc je vous ai expliqué à peu près tout le gameplay de combat. AGWS, comme je vous l'ai dit, j'ai fait le jeu la première fois sans l'utiliser. Donc c'est... Je vais pas dire que c'est inutile, parce qu'on peut les utiliser et faire d'autres choses avec. Je vais d'ailleurs essayer de le faire. Mais c'est pas du tout indispensable, donc je vais pas trop rentrer dans les détails dedans. Même si je veux essayer de tout montrer du jeu, donc voilà. Donc vous avez vu, hein, donc, pour résumer, on a des attaques avec des combinaisons de carré et triangle qui coûtent des AP, et au bout de la troisième attaque ça fait un death blow. Vous avez les éthers qui sont les magies et qui comptent des EP, et vous avez des attaques spéciales avec certains personnages, et ensuite vous avez les AGWS, voilà. Donc c'est pas si compliqué, les combats en fait sont compliqué pour rien, on dirait, un peu comme les menus qui sont... Ouais, moi la première fois que j'ai vu ces menus, j'ai pété un câble, hein, j'ai fait... Alors, déjà, Ether, Technique, Skill... Pour moi déjà ça c'est un peu la même chose, oui. Ce Skill ça veut quand même un peu dire Technique en français. Donc voilà, et ensuite dans Personnage on peut augmenter nos stats, enfin je comprenais rien au début, hein, je vais pas vous mentir. Vous verrez, il y a aussi beaucoup d'acronymes comme, vous voyez, AGWS, UMN. Au début ça embite rien parce que ça fait un peu partie de l'univers du jeu. Mais je vous expliquerai tout, et c'est pour ça que c'est bien, je pense, de faire ce jeu en parlant, puisqu'on peut expliquer énormément de choses sur l'univers, sur les connexions avec d'autres jeux, sur... Il y a beaucoup de choses à dire dans le jeu, franchement, on pourra en parler des centaines d'heures. Donc j'espère qu'en tout cas que ça vous plaît pour l'instant. J'ai beaucoup parlé et vite pour expliquer beaucoup de choses, mais bon, c'est l'intro et c'est le début du jeu, et j'ai pas forcément de moments, beaucoup de moments pour tout expliquer dans ce jeu. Mais je vais m'arrêter là.
je vais sauvegarder. Donc point de sauvegarde, c'est un des seuls trucs pas compliqués dans le jeu. Hein. Voilà, bon ça c'est ma première partie. Hein. Donc vous voyez, j'avais fini le jeu en 41 heures. Mais j'ai traîné, hein. on peut le finir je dirais en 30 heures, 30-35 heures. Si on connaît bien le jeu, ouais. Après ça dépend si on fait tout ou pas. Et vous voyez, il y a 6 personnages dans le jeu. On en a que 2 pour l'instant. Du coup, je vais... Bah tiens, je vais faire ça. Hop. Est-ce que j'écrase ma sauvegarde? Oui, on s'en fout. De toute façon, je vais pas rejouer à part. Hop. Voilà. Vous verrez que l'histoire s'étoffe énormément après. Est vraiment très intéressante, c'est le point fort du jeu, c'est l'histoire et les personnages. Et vous avez peut-être remarqué quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'il y a des très bonnes musiques, mais il n'y a pas tout le temps des musiques. Vous voyez là, ce n'est pas un bug, il n'y a pas de musique. Gros défaut du jeu, on va dire les gros points forts du jeu, ce sont le scénario, le développement des personnages, et le gameplay qui est, on va dire, à la fois génial parce que beaucoup de possibilités, mais à la fois bof parce qu'au final on les utilise pas toutes et on n'exploite pas toutes les possibilités. Et le défaut du jeu, je dirais que c'est les musiques, il n'y en a pas tout le temps. Et vous allez voir que vous avez des combats un peu répétitifs et le rythme est particulier. Donc ça, je dirais pas que c'est un défaut, mais si vous voulez un jeu où il y a tout le temps de l'action, bah malheureusement ce jeu, il y a beaucoup de longues scènes, quoi, de très longues scènes, hein. Là où l'intro c'est pas la scène la plus longue du jeu, hein. Il y a des scènes de 30 minutes dans le jeu, faut le savoir, peut-être même plus, mais l'histoire est géniale, donc voilà, j'espère que, en tout cas ça vous a plu pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup parlé, je me suis un peu emballé sur certaines choses, mais j'essaierai d'expliquer plus tard les choses, et de plus jouer sans attendre, parce que je sais que c'est pas très agréable que je vous explique les choses sans jouer. Mais c'était nécessaire pour voir la suite du jeu. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Et puis n'hésitez pas à poser toutes vos questions. J'y répondrai par écrit dans les commentaires. Et de toute façon, on expliquera d'autres choses plus tard. Voilà, à plus.